YouTube, bienvenue. On est sur la version 05 de Senkenland, 05-03 exactement, version expérimentale de ce jeu qu'on a pratiqué lorsqu'il est sorti l'année dernière au mois d'août 2023. Pour ceux qui se rappellent et pour ceux qui ne se rappellent pas, qui n'étaient pas là, Senkenland, c'est tout simplement un jeu de survie à monde ouvert dans un milieu plutôt aquatique puisqu'on va parcourir différentes îles et on va fouiller différents fonds marins. Le jeu est sorti le 26 août 2023, édité et développé par Vector 3 Studio. Il a suivi son petit bonhomme de chemin depuis. Il a pas mal évolué. Actuellement, il est en version 0.2, mais là, on est sur la version 0.5. Une nouvelle version qui arrivera prochainement sur le jeu et qui change pas mal de choses au niveau des graphismes déjà, mais pas seulement, aussi au niveau de l'interface, au niveau du gameplay, au niveau du nombre de factions ennemies, puisqu'on va devoir survivre face à différents ennemis, en plus de la faim et de la soif bien sûr. Et voilà, on m'a dit qu'il y avait eu pas mal d'évolutions, donc on va aller voir ça ensemble. Et je vous propose de faire un petit let's play découverte de 2-3 vidéos, peut-être plus, peut-être moins. On verra bien si le cœur nous en dit. Et on commence tout de suite, tout simplement, par créer un nouveau personnage. Personnage... Aujourd'hui, je suis une femme à la peau comme ça. Avec des cheveux comme ça. Et une couleur de cheveux comme ça, pourquoi pas. Et on va m'appeler... Staffette, après tout. Pourquoi pas. Hop. Voilà. Staffette. Staffette, voilà. Staffette. Ok. Et on va rejoindre, évidemment, le monde de Staffette. Monde qu'on va mettre en difficulté d'ennemi normal, difficulté du poste ennemi moyen, difficulté des raids ennemis moyen, et difficulté de survie moyen. Pour ceux qui ne le savent pas, évidemment, il y aura des raids. Les ennemis vont nous attaquer tous les temps de temps, mais on devra nous aussi attaquer leurs avant-postes, leur base. Pénalité en cas de mort, oui. Tir allié, oui ou non, ça change rien, je serai seul. Le jeu peut se jouer en coopération. Moi, je le jouerai seul. Tout ça, c'est lié à la coopération. Partager les points d'apparition, les drapeaux, etc. Et apparition aléatoire, c'est pour apparaître aléatoirement sur la carte. Je vais pas le définir puisque je vais vous montrer un truc que je vais supprimer. Le temps de réapparition, 10. Et l'intervalle de résurrection des butins, on joue à 4. Donc ça, c'est tout simplement les objets qui réapparaissent dans les contenants au bout de 4 jours. Pourquoi pas, 4 jours, c'est assez long dans le jeu. On termine. 05.03, Staffette est là. Go. On y va. Le prix du jeu, je vous l'ai pas dit, c'est 19,50€. Mais sachez que vous pouvez l'avoir chez notre partenaire Instant Gaming pour 15,46€ actuellement. N'hésitez donc pas à cliquer sur le lien que je vous ai mis en description si le jeu vous intéresse. À la fois, vous me soutiendrez et je vous en remercie, et à la fois, vous paierez le jeu moins cher. Premier truc que je vais vous montrer, on apparaît comme sur l'ancienne version, hein, pour ceux qui étaient là, encore une fois, à l'époque où on faisait ce jeu quand il est sorti. Évidemment, la faune et la flore aquatique est toujours aussi belle, mais on va rallier la première île. Et à moins que ça ait changé sur cette partie... Non, ça n'a pas changé, voilà. On va juste effectuer avant de commencer. Donc on va devoir farmer, on va devoir récupérer des ressources, on va devoir explorer, commercer, tuer et survivre. Mais avant ça, on arrive sur cette première île et regardez. Des caisses. Ah, oh, trop d'armes. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah, oh, il y en a trop. Ah oui, tout simplement, là, les développeurs, pour cette version test, je rappelle qu'on est sur une version expérimentale. Hop, on n'en regarde pas ça. Je rappelle qu'on est sur une version expérimentale du jeu, et tout simplement, ils ont voulu un petit peu assister les joueurs, entre guillemets, et permettre aux joueurs de voir un petit peu ce qui les attend. Donc là, on a la plupart des armes à feu du jeu, la plupart des équipements de protection du jeu... La plupart des médicaments, et ci et ça, etc. Tout ça, ça va disparaître dans 10 minutes et je vais le laisser volontairement disparaître car je veux démarrer de zéro sur une vraie partie.
Je n'ai pas juste envie de tester les nouvelles armes à feu ou quoi que ce soit, je veux les faire, je veux les gagner. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, quand on ouvre l'inventaire, on a tout simplement un artisanat rapide, simple, ici. Il n'y a pas grand chose à faire, c'est normal, ça va se développer au fur et à mesure qu'on va avancer sur le jeu. On va pouvoir fabriquer de nouveaux objets, ok ? On a ici un menu construction pour faire une base qui nous plaît, qui nous ressemble. Pareil, il n'y a pas grand chose à faire niveau établi, niveau truc comme ça, mais c'est normal, ça va se débloquer au fur et à mesure qu'on va avancer sur le jeu. Il va déjà dans un premier temps falloir qu'on fasse une table de recherche qui va nous permettre de débloquer de nouvelles constructions et de nouvelles fabrications, ok ? Ici c'est tout simplement un peu le lore lié au jeu qu'on ne lira pas et des tutos qu'on ne fera pas. On les validera sans faire exprès, mais je les suivrai pas, ça m'intéresse pas trop. Et là, c'est tout simplement tous les plans de fabrication que le jeu contient. Y en a pas mal, mais c'est seulement les plans, c'est pas tout ce qu'on va pouvoir construire, fabriquer. Ok ? Par exemple, là, vous voyez des bateaux, mais y a pas que ça. Ça, c'est la carte. Hein. La carte, tous les points d'interrogation, et ben, c'est tout plein d'îles qu'il va falloir qu'on découvre et qu'on fouille. Là, on est sur l'île des naufragés, première île découverte, 0%, c'est parce qu'on a encore à rien fouiller. Si je viens ici, que je récupère cette bagnole, j'en récupère de la ferraille, comme vous voyez en bas à droite, et que je revais sur la carte, on est à 2%. Vous avez compris le délire de la carte, pour pouvoir fouiller. On peut aussi placer une marque sur la carte, pour définir, je sais pas, ce que vous voulez à faire plus tard, ou contient du métal, etc., etc. Et enfin, ici, c'est les différentes factions qu'on va devoir affronter. Il y en avait 7, je crois, à l'époque où le jeu est sorti. Désormais, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je sais plus si c'était 6 ou 7 à l'époque. En tout cas, on a quasiment doublé, voire doublé s'il y en avait que 6. Ok, on commence l'aventure, donc... Une trop longue intro, mais il fallait que je vous montre un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, à quoi ça ressemble. Et puis pour les autres, il faut qu'on se remémore un peu à quoi ça ressemble. Donc là, on a récupéré une hache, c'est le seul élément qu'on a quand on a pareil, une hache, une boîte de conserve pour pouvoir becter un peu. 32 santé et 20 d'énergie qu'on va récupérer. Non, 32 faim, 22 santé et 10 d'énergie. Et une canette de coca, soif 40, énergie 20. Et ça, c'est ce que j'ai ramassé. On va déjà commencer par récupérer du bois en tapant cet arbre. Je vais taper un peu tout ce que je peux taper dans le coin. Alors il y a un truc que je viens de remarquer là, c'est qu'en bas à droite, il y a le signe de l'infini. Je sais pas à quoi correspond ce signe. Vous voyez juste là, je sais pas à quoi correspond ce signe de l'infini. Là, il me semble que les haches de base, les outils s'abîment au fur et à mesure qu'on avance. Voilà, j'ai juste baissé le son, ça me semblait un peu fort. Donc il me semble que les outils s'abîment au fur et à mesure qu'on avance. Je sais pas si jamais c'est lié à ça ou pas. Attendez, on va le voir normalement quand on survole. Non, il n'y a pas marqué. Il me semblait qu'on avait... Bon, bizarre, on verra bien. Qu'est-ce qu'on a ici? Une toile de tente. Une caisse, on fouille. Petit canard en plastique qui servira à décorer, une lampe torche pour nous éclairer, un peu de bouffe, un peu d'hydratation, des soins, bandages et de la corde. Évidemment, on récupère tout. Et là-dedans, je sais pas si on peut casser ça. Je me rappelle plus. Non, c'est juste du décor. On va pas forcément rester sur cette île, mais pour démarrer... Bah pour démarrer l'aventure, je pense que c'est le mieux à faire. C'était quoi? Des fraises et des appâts de pêche. Ok, alors je crois que j'ai vu... en face, là, c'est quoi? On dirait une caravane. Je sais pas si c'est pas un vendeur. Ah non, le vendeur, il est là-haut. Je reconnais. Je reconnais avec sa base flottante et le panneau. On voit pas bien de là, mais ouais. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire juste une petite fondation. Puis on verra après si jamais on fait une base ailleurs. Mais voilà, on va se faire hop une fondation comme ça. Pourquoi je peux pas? Qu'est-ce qui se passe? J'ai plus assez de bois. Ok.
Ouais, écoutez, je vais farmer tous les arbres qu'on a là. Comme ça, je vais pouvoir me faire ma fondation. Voilà, j'ai rasé tous ces arbres, tous ces maudits arbres verts. Ah, il y a juste ceux-là que j'ai pas pu couper, en fait. On peut pas les couper, ceux-là, je sais plus pourquoi. Ah, soit il faut un autre type de hache, soit on ne peut pas les couper tout court. En fait, ils dandinent, ils dandinent, ils dandinent quand tu tapes dessus, mais il se passe rien. Et il y a une étrangeté, un peu aussi dans le dans l'arbre, regardez. Un petit bug graphique. Je ne sais pas. C'est pas grave. Quoi qu'il en soit, je m'en fous, j'ai assez de bois, je suis à 153 bûches de bois. On va pas faire trop grand non plus, mais on va se faire un petit 2 sur 2. Combien que ça m'a consommé? Ouais, il me reste encore 100 et quelques. Ouais, non, on va pas se faire un 2 sur 2, on va se faire un 3 sur 3. Voilà, 3 sur 2. 3 sur 2, 3 sur 3. Ah, la folie des grandeurs me prend. 3 sur 3. Voilà. Ok. Là-dessus, on fait rien. C'est juste une plateforme. Et on va se faire comme objectif la grille simple. Il va nous falloir récupérer donc de la ferraille. Ça va nous permettre de faire à manger. Le purificateur, lui, nous permettra de faire de l'eau. La table de recherche pour débloquer des schémas. Mais avant tout ça, il va me falloir faire des coffres. Les coffres vont me servir tout simplement à entreposer mes ressources. Attendez, il y a d'autres trucs à faire, je crois que les coffres. Je me rappelle d'étagères ou un truc comme ça. Placard en bois. Étagère en bois. Utilisé pour ranger des planches de bois. Peut être utile. Un étagère en métal pour ranger le métal. Bah écoutez, on va faire les deux. Alors je crois que je les utilisais pas longtemps, ces trucs-là. On peut mettre ça à l'extérieur. Non, c'est pas grave. On va mettre ça là. Là plutôt. Hop. Voilà. On va se faire le coffre en bois. Et on va le foutre à côté, comme ça. On va en mettre deux, parce que ça va prendre pas grand-chose à l'intérieur. 3 sur 2, 4, 6. 3 fois 6, 18. Donc, case. Et ici, au niveau des planches. Quoi? J'ai plus de planches déjà! Mais arrêtez vos conneries. Bref, dans celui-ci, je vais mettre ce qui va être lié à la bouffe, on va dire. Ouais, la bouffe, je vais la garder sur moi. Et dans celui-ci, ferraille, graines, cordes. Le petit canard, on va l'utiliser. On peut renommer les. Il me semble pas qu'on pouvait le faire avant ça, nommer les coffres. Je me rappelle plus. On va faire, c'est qu'on va placer ce petit canard là-dessus. Voilà, il est magnifique. Notre premier élément de décoration, YouTube, regardez-moi ça. C'est beau, hein? Oui, c'est beau. Oui. Vite! Il faut s'en aller! Dans les tréfonds. Attendez, j'ai faim. J'ai trouvé des champignons. Ouais, il aime pas trop ça apparemment, mais c'est pas grave. Ça lui redonne un petit peu de satiété. Le soda, il est presque à fond en hydratation et en bouffe, on verra plus tard. Ok. J'aurais peut-être dû me faire une arme quand même. Une lance. Attendez. La lance. Voilà. Merci. On va foutre ça là. Et je laisse le reste là-dedans. Non, parce qu'on sait pas trop ce qui nous attend dans les tréfonds. Allons explorer la faute. Objectif, trouver de la ferraille. Hein. Alors malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a la nuit qui va arriver. Il est 17h30 pourtant. Alors, il me semble qu'on peut faire passer la nuit dans le jeu. Ça a bien changé les fonds marins, là, les algues qui pendouillent comme ça. C'est super beau, c'est super bien fait. C'est dégueulasse, mais j'aime bien. Ok, là un peu de ferraille. Après, pour le principe du jeu, ça reste la même chose, hein. On a différents spots avec lesquels interagir pour récupérer des ressources. Soit en tapant dessus avec la hache, soit en interagissant avec la touche d'interaction. F pour ma part. Voilà, là on récupère du tissu, c'est un canapé, on le voit pas bien, mais que vous le sachiez. Tissu et bois. Il va falloir que je farme
tout ce qu'il y a là-dedans. Là, on a une bagnole. 18h02. Attendez, pas du tout. 18h20, 18h60, 18h70. Non, 18h08, 18h09. Je ne sais pas lire l'heure en haut à gauche. Non, c'est bien ça. J'allais dire, ça passe très vite quand même. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dessous? On peut pas récupérer les algues là, hein, je me rappelle pas, hein, mais non. Non, par contre, il y a des minerais, si je me rappelle bien, à récupérer dans le fond. Tiens, saloperie de plante. Ah, je suis la tête dans la route là, je crois, non? Je vais me noyer. Poisson, mais c'est rien, c'est un poisson gentil, ça, je crois. C'est bon. Les bulles, on peut respirer? Non? Non, on peut pas faire comme dans Sonic? Et attendez, 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 regardez la barre d'oxygène, comment elle descend. Et regardez quand je suis au-dessus des bulles. C'est exactement pareil, en fait. Donc ça veut dire que, en fait, non, ça sert à rien. Je pensais que ça réduisait un petit peu la perte de d'oxygénation du bonhomme. Mais rien du tout. Les couilles sur ton nez. Un petit peu de thon et on y retourne. Est-ce que je peux utiliser... Non, faut pas déconner. Je voulais utiliser la torche dans l'eau. Non, bah ça sert à rien, ça c'est YouTube. Ça sert à rien, je remonte à la surface, je vois plus rien. J'ai récupéré un peu de ferraille, je vais peut-être pouvoir faire un truc qui va m'aider à faire passer la nuit, le lit. Ça se trouve, hein. Ah, puis je commence à me peler le cul. On est gelé, faut rester près du feu. La santé va descendre sinon. Il me semble. Bon, bah priorité au feu, du coup. Petit feu, c'est dans la construction, évidemment. Ah, merde, il me manque deux ferrailles, sérieusement. Le lit me manque un peu de bois, mais peut-être que je pourrais quand même l'avoir. Attendez. Voilà, le lit. Bon, et on n'a pas le feu, mais c'est pas grave, on a le lit. Voilà, comme dirait l'autre, qui dort dîne, bah, qui dort n'a pas froid. Renommer le lit simple, dormir, réveille-toi vert. Hour. C'est-à-dire hour, c'est-à-dire quoi? Confirmer la mise en veille, non? Ouais. Ah, bien, voilà, ça fait passer la nuit. Et j'ai pas pris de dégâts, je pensais que le froid allait me mettre des dégâts. C'est très bizarre comme c'est, en fait. Différent d'avant. Libase, voilà. Ok, bah du coup, on peut retourner dans l'eau et continuer à récupérer de la ferraille en vue d'améliorer un petit peu l'équipement qu'on a. Pour l'instant, on a que dalle et on verra mieux au moins de jour. Ça vaut pas le coup de... Ça vaut pas le coup de faire de nuit. Après, je crois que j'ai quand même perdu un petit peu en satiété et en hydratation. J'ai pas fait gaffe, mais j'ai l'impression. Donc là, on récupère de la ferraille. En plus de ça, on récupère du verre. Un verre qui va nous servir à d'autres trucs, mais je sais plus quoi. Je m'en rappelle plus trop. Oula, ferraille, là. Viens par là. Il va aussi falloir que je récupère plus de bois pour me faire un arc et des flèches pour les premiers combats. Parce que, si je me rappelle bien, c'est quoi qu'il y a là-haut? Étrange. Si je me rappelle bien, en fait, quand on fait l'établi de recherche, c'est à partir du moment où on fait l'établi de recherche, je crois, que les IA vont commencer à nous attaquer. Et clairement, là, si elle m'attaque, je pense que je me ferai défoncer. On n'est plus sur la bonne zone, là, par contre. On a changé de zone. Il va falloir que je revienne en arrière. On va juste collecter ce qu'il y a là. Allez. Voilà. C'est quoi ça? Oh, ça a mal été posé. C'était encore de la ferraille. Bon, je me noie, mais c'est rien, ça va aller, tranquille. La caravane.
Bah allez, tant qu'à faire, on explore tout ce qu'il y a autour. Rassurez-vous, par la suite, pour ceux qui connaissent pas le jeu, on pourra se déplacer beaucoup plus vite, hein. Alors, y a le bateau que je vous ai montré. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ouais, fous-moi le camp, saloperie! Ok. Vas-y, récupère. Ouais, je sais pas ce qu'il fout l'autre, mais... Alors, ceux-là, c'est les basiques, hein. C'est vraiment les ennemis de base. Lui, il est même un peu bloqué. C'est ceux qui font le moins de dégâts, hein. Regardez, ils sont tous décharnés, ils sont en slibard, à moitié crevés, à moitié irradiés par des radiations de je ne sais où. Sachez qu'il y en a des beaucoup, beaucoup plus agressifs et puissants que eux. Eux, à la lance, on se les fait tranquillement. Voilà, quelques coups, ils claquent. Il y en a d'autres, c'est pas possible de faire ça. Surtout que les autres que j'ai en tête, ils arrivent en bande. Donc en fait, là, on a rencontré la première... la première section, je crois, la première faction. Les mutants. Voilà, autrefois humains, ils sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui après avoir contracté la Crackhead Skin Mania. Intellectuellement inférieurs, probablement un peu plus intelligents que des singes, ils peuvent fabriquer des armes froides simples. Des armes froides ? Ouais, des armes primitives, je pense. Basiques, primitives. Bon, là, ceux-là, ils en ont pas, mais sur d'autres campements, ils auront des petites haches, des petites lances comme moi, enfin... En vrai, je suis un peu un primitif comme eux. C'est quoi que j'ai entendu ? On aurait dit une porte qui s'ouvre. Étrange. Est-ce que je peux casser la caravane ? Non ? Non, je peux rien y faire. La caravane ne me dit rien, hein. Je crois pas qu'elle existait avant. Écoutez, je vais collecter le bois qu'il y a là. Hein. Voilà, et avec le bois que je viens de collecter, du coup, on va dans la section armes et on va se faire... Ah, il me faut la corde. Alors, je peux faire la corde à base de tissu, je crois. Oui, il me l'a faite. Ça, c'est nouveau, ça. Ça, c'est nouveau. Regardez. Donc, deux tissus égale une corde. Il y a un petit plus, en fait. Si on n'a pas la ressource de base, on clique et ça l'a fait. Par exemple, là, si j'avais du coton sur moi, j'en ai pas. Je pourrais, en cliquant là-dessus, bam, directement faire le tissu. C'est un raccourci, en fait, quand tu veux faire... C'est vachement bien, ça. Le fait d'épingler, je me rappelle pas si ça y était. Et le petit point d'information non plus, je me rappelle pas si ça y était. Bref, quoi qu'il en soit, on peut se faire l'arc. On a désormais l'arc qu'on va foutre ici. Et évidemment, avec, il va falloir des flèches. Les flèches, c'est juste du bois. On va en faire 50. Voilà, c'est suffisant. Et je garde le restant de bois. On va refouiller encore un peu aux alentours de notre île. Donc l'île des naufragés, juste par là. Et en même temps, j'irai bien sur une île voisine pour attaquer avec l'arc. Non, on a le temps, on a le temps. J'ai le démon de la bagarre. Mais on a le temps de les déglinguer. Non, encore une nouvelle zone de découvert. Elles sont très rapprochées, en fait, les zones sur le jeu. Hein. Tout ça, c'est très très rapproché, tous ces points. Il y a guère que ceux-là qui commencent à s'éloigner un peu, que c'est un peu espacé. Mais c'est bien, parce que du coup, on n'a pas le temps de se faire chier quand on explore. Tu explores un truc, et en même temps que t'explores le truc en question, t'en trouves un autre. Ah, je boufferais bien du poisson, moi. On va aller se faire le petit poisson qui est là-haut, il est pas agressif normalement. Bon, après, c'est pas dit qu'il y a pas un arquin qui traîne à côté. Est-ce que j'ai de la place? Oui, j'ai de la place. Allez, viens là. Ah, il y a le requin en dessous. Ah, ça va être différent avec le requin. Ok, faut que je récupère de l'oxygène. Saloperie. Ah, je vais me taper le requin à tous les coups, hein. S'il me capte, hein, ça va être chaud. Ah, il est dessous, mais il me voit pas.
Mais il y a moins qu'un de poisson. Étrange. Ah le là. Ah la pêche, c'est pas facile, hein. Putain de merde. Est-ce que je peux? Non, impossible. Ça m'aurait étonné. Ah, faut vraiment les croiser, sinon c'est mort. Le requin. Il me capte pas, il est con. Oui! Avec de la peau en plus. Ah, saloperie! Il se barre juste après. Le requin est passé juste à côté de moi. J'ai pas compris pourquoi il m'a pas attaqué. Très étrange. Oh la vache, le sprint qui tape l'autre! Ah, et je peux lancer quand même la lance dans l'eau. Comme j'en ai qu'une, je vais la garder. Saloperie, hein! Allez, viens là. Ah, le requin qui m'attaque. On dirait qu'il se barre, le requin. T'as de la chance qu'il y a ton cousin. Viens là. La chance ne dure qu'un temps. Ah, salaud! Bon, je me casse, il me reste plus que la moitié de ma santé. Si jamais je me fais canner par le requin, je vais réapparaître, je sais pas, ailleurs. Donc on va éviter de se faire canner. On va éviter de se faire canner. Canne ou canner? Au choix. C'est le mot du jour, YouTube. Si vous êtes toujours présent sur cette vidéo, marquez-moi canne ou canner en commentaire. Et n'hésitez pas à en faire un jeu de mots. Par exemple, il serait bon pour moi d'avoir une canne à pêche pour pêcher. Ce serait plus simple, certainement. Mais j'en ai pas. Mais j'en ferai une. Mais pas maintenant. La pêche, c'est pas trop mon dada sur les jeux. Ça m'emmerde assez vite. Avec la lance, c'est bien plus fun. Alors pour le coup, là, sur les poissons que j'ai récupérés, pas trop, en vrai. Parce qu'ils se sauvent. Mais avec le requin, quand j'aurai le jeu en main, ça sera bien, bien plus simple. Il nous attaquera et il faudra que j'ai juste le bon timing pour pouvoir le déglinguer. Et dit comme ça a l'air pas si simple que ça, mais en vrai, si, quand tu as... Ah, putain de merde! Quand tu as chopé le coup, ça va relativement bien. On va aller se faire à manger, ça va faire du bien. Donc à savoir que pour remonter la santé du personnage, en plus des soins, des bandages, il y a aussi le fait de bouffer, en fait, remonte la santé. Et c'est ce qui fait que relativement assez vite dans le jeu, en tout cas sur l'ancienne version, bah, je crevais pas, en fait. Enfin, très rarement, j'avais toujours de la bouffe ou quelque chose. Ah si, je mourais, en fait, mais c'était quand les ennemis me tiraient dessus, quand ils me mitraillaient avec certaines armes, bon, bah, là, d'accord. Mais sinon, en dehors de ça... La durée de vie était assez élevée. Je suis à combien là? 40, 50, 60, 70 au niveau des ferrailles, c'est peut-être pas trop mal. Et je vais juste recollecter un et puis après on va aller se faire de la bouffe. Voilà, je sais pas ce qu'il y a là-dedans. D'accord, des meubles. Façon Louis XVI. Je prends tout, mais j'ai pas pu tout prendre. Si? Ah si. Là, encore une voiture, je la veux. La dernière. La dernière. Alors, ce qui est vachement bien aussi, c'est que, bah, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, sur la carte, en fait, on a le pourcentage de complétion d'une zone au niveau de la fouille. Ce qui fait que là, par exemple, je sais que j'ai encore intérêt à y rester sur l'île des naufragés, vu que je suis à 22%.
Mais dès que je serai à 100%, bah voilà, je sais que ça sert à rien de chercher pendant encore 5 ou 10 minutes tout autour de l'île s'il reste pas un truc à récupérer. En fait, c'est certain qu'il y aura rien, vu qu'on sera à 100%, pardon. À chaque fois qu'on ramasse quelque chose, ça monte un peu le pourcentage. Il y a un truc que j'aime remarquer, c'est cette barre là. Donc il y a bien une usure sur la torche, mais pas sur la hache, pas sur la lance, c'est très bizarre. Il me semblait qu'on avait une usure là-dessus. Mais alors, regardez, ça va être tellement bien quand je vais tirer à l'arc. Sauf que il n'y a pas de réticule quand on tire. Ah oui, si, il faut se servir de la... du clou, non? Bah non, c'est pas possible. Ah, je sais pas. Ah, si, si, c'est peut-être la pointe du clou, en fait. Ça me semble assez désaxé, mais... Si, la pointe du clou, ça doit être plus ou moins le centre de l'écran, je pense. Ah oui, regardez, regardez. Regardez, j'ai le réticule, là, le petit point. La texture de l'arbre merde un peu. Le petit point, là, regardez où il est. Quand je mets le clou, clac, ça se met dessus. Alors, plus on est loin, plus ça correspond. Ouais, plus ou moins. Ok, bon, bref. On a notre lit pour pouvoir passer la nuit, pour pouvoir réapparaître quand on canne. On a notre truc à planche. Et maintenant, on va avoir... Où est-ce qu'il est. Voilà, notre grille. Pour faire la cuisine. Ici donc, l'espace cuisine. Avec bien entendu, de quoi faire la cuisine, mais de quoi aussi purifier de l'eau. Les deux. Plutôt deux, sinon qu'un seul. Je vais juste laisser un espace entre pour mettre un coffre. Voilà. Il est bien mis bord à bord, à peu près. Impeccable. Ajoutez à ça la table de recherche. Qu'on va se mettre. Là. Ah non, ça fait trop étriqué. On verra après pour la table de recherche. Il faut que je refasse de la surface. Donc là, j'ajoute le bois. Et ensuite, j'ajoute les poissons. Je crois que j'ai trop mis de bois par rapport au peu de poissons que j'ai. Ah oui, c'est un par un les poissons, c'est vrai. Et ça cuit tout seul. Là, il va falloir que je fasse un contenant. Genre une gourde. Ou un seau. Seau de mer, pourquoi pas. Hop, j'ai le seau de mer. Ok. Je le remplis d'eau. Et je remplis ça d'eau, non? Prendre l'eau. Boire l'eau. Ajouter l'eau. Voilà. Ajouter le bois, évidemment. Alors, à savoir que ça, par la suite, si je me rappelle bien, ça peut s'automatiser. C'est-à-dire qu'on peut faire un système de pompe qui va aller pomper l'eau directement et tant qu'on vient le réalimenter en combustible, bah, ça pompe l'eau, ça la distille et voilà. Ce qui est assez sympa, pareil, hein, par la suite sur le jeu, il y a le système de l'électricité qui est mis en place. Un système relativement assez bien fait en plus, et assez simple. Et un système qui a été revu. Ce que j'ai vu dans les patch notes du jeu, c'est qu'il a été revu, le système d'électricité, donc il est encore plus apparemment agréable à manipuler. Moi, pour le coup, je suis vraiment pas doué en électricité dans un 7 Days ou autre. Mais sur ce jeu-là, c'était assez simple de cacher les câbles, d'alimenter tout ce qu'on voulait. Bref, ça s'arrête tout seul au niveau du bois, donc on peut blinder le bois. Hein. Hop, voilà. Dès que c'est cuit, hop, ça s'arrête tout seul. On en remet un, etc., etc. Pourquoi ça ne se... Charbon de bois, ah oui, d'accord. Hop, et là, je récupère le charbon de bois. Nickel, il va falloir que je fasse un peu de place dans les coffres. On est très bas en nourriture, ça nous remet 40, hop. Là, on est à 80, donc à peu près. Niveau hydratation, on va boire direct, à moins que j'ai du coca. Non, on va boire direct, donc boire l'eau, hop. Ça remet à peu près 50. On s'en fout, c'est gratuit, l'eau. Voilà, il y a juste à remplir. J'aurais dû mettre le truc plus près, mais bon. Ça va, j'ai pas long à aller encore. Évidemment, le bois. Et le bois, va falloir que j'en récupère.
Et il me semble pas que ça repousse sur les îles. Mais là-haut, regardez, il y a des arbres à récupérer. J'y suis pas encore allé. Il y a plein d'îles à voir, il y a plein d'îles à faire. Mais pour l'heure, notre quête Winsley, on va l'appeler comme ça, doit vous quitter YouTube parce que la fin de cette vidéo est arrivée. On découvrira donc la suite sur le prochain épisode. D'ici là, bah comme d'hab, portez-vous bien, prenez soin de vous. Pensez à me dire ce que vous pensez du jeu, pour ceux qui le découvrent. Et ce que vous pensez, mais bon, pour l'instant, ça va être assez compliqué, de ce que le jeu devient au niveau des mises à jour. Mais pour l'instant, on n'a encore rien vu. On est sur la première demi-heure du jeu. Et même si j'ai déjà fait les bases, on va dire, bah on est loin d'avoir encore tout vu. Les menus ont changé, hein, je le vois direct. Hein, je saurais pas dire exactement quoi, mais il y a pas mal de trucs qui ont changé. Le fait qu'ils aient rajouté des factions, ça c'est bien, parce que je me rappelle que je les avais toutes défoncées, et quand tu défonces toutes les factions, bah tu te fais chier. T'as plus personne à tuer. Soi-disant que les raids devaient continuer après, mais moi j'en avais plus sur ma partie, ma première partie. Bon, après j'avais fait quand même une petite cinquantaine d'heures sur le jeu, donc il y avait quand même de quoi faire pour un accès anticipé qui venait de sortir. J'ai hâte de voir comment que ça va se goupiller. Ça me fait plaisir de revenir sur ce jeu, parce que je me rappelle, là en juin, le kiff que j'ai de combattre les ennemis sur ce jeu. Un peu moins de kiff quand ils me défoncent la tronche, mais quoi qu'il en soit, un kiff tout du long sur le jeu. Donc c'est bien qu'on se remette dessus, en fait. C'est bien qu'on redécouvre ce jeu. Bref, rendez-vous sur une prochaine vidéo. Salut à tous, ciao ciao. YouTube, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner. Et si, et je dis bien si, vous me suivez déjà depuis un certain temps et que vous appréciez ce que je fais, vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre sous la vidéo pour me soutenir et accéder à différents contenus exclusivement réservés aux membres de la chaîne. Sur ce, on se donne rendez-vous sur une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et à la prochaine. Salut !